Alors du coup, je m'appelle Mélie Jacquin, je vais avoir 23 ans et je suis actuellement en quatrième année à l'ISEG en spécialisation digital marketing. Alors moi, du coup, ce qui m'intéresse principalement, c'est toute la partie consulting et éventuellement évoluer aussi au sein du marketing digital, que ça soit dans une entreprise ou en tant qu'indépendant. Alors en fait, quand on arrive en quatrième année, on est obligé, au cours de notre formation, soit de faire une alternance, soit de faire un stage. On a la chance, grâce à Marion Lagarde, d'avoir vraiment un réseau qui est développé et qui peut nous aider à trouver différentes opportunités en fonction des secteurs qui nous intéressent. Moi personnellement, j'ai trouvé en début d'année scolaire donc une alternance sur 18 mois avec la possibilité d'être embauchée en CDI à l'issue. L'avantage en France d'une alternance, c'est justement que la partie rémunération va être prise en charge par l'OPCO à hauteur de 8000 euros, ce qui permet justement de rémunérer l'alternant et aussi de l'encadrer de la meilleure manière possible grâce à un chef de projet ou quelqu'un qui va être là pour l'encadrer. C'est vraiment quelque chose de très professionnalisant. À l'école, on va vraiment avoir cette partie théorie et on va vraiment pouvoir évoluer grâce à l'alternance. Donc c'est vraiment très, très intéressant, tout autant pour l'étudiant que pour l'entreprise. Alors moi, j'ai trouvé une entreprise qui s'appelle paytafacture.fr. Comme j'ai fait des études de droit avant, c'était assez intéressant de rebondir. Paytafacture, c'est une entreprise, c'est une solution digitale qui va permettre aux clients de recouvrir leurs créances. Mes premières missions, ça va être de faire tout le support marketing, donc de regarder justement l'évolution des visites sur le site internet, le trafic, d'optimiser le tunnel de conversion. Mais ça va être aussi de faire toute une partie communication sur les réseaux sociaux, et un aspect vente pour trouver des nouveaux prospects, les rencontrer et leur proposer notre solution. Donc c'est une formation qui est assez globale, puisque ça prend en compte plusieurs domaines justement. Alors j'ai choisi cette alternance premièrement puisque ça permettait de faire un rebond par rapport à mes études de droit, puisqu'on reste quand même dans le domaine de la legal tech. Et ensuite parce que j'aimais beaucoup justement le fait de découvrir d'autres univers, que ça soit la communication, bien sûr le marketing puisque c'est ma spécialité, mais aussi le commerce. Donc ça va me permettre à l'issue, ou même dans ma vie future, d'avoir plusieurs compétences qui seront déjà présentes. Alors si vous avez des questions par rapport à l'alternance, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Merci à tous, à bientôt.